Allez, yo le live, re le live du moins. Donc du coup là on se retrouve sur Far Cry 5. Far Cry 5, qu'est-ce qu'on en est? On en était où sur Far Cry 5? On était en train de tout simplement fonder la résistance, hein, de libérer quelques villes et tout ça contre la terrible secte de l'autre fils de pute, si on peut dire. Voilà, puis voilà, c'est tout. Hein, c'est un bon résumé, je pense. Donc toujours en compagnie de la sublime, la très très grosse Astéria. Donc nous allons continuer le gameplay. Donc hop, on va inviter la madame. C'est bon, je me suis invité tout seul. Ah, tu t'es invité tout seul, ok. Ah, j'ai pas besoin de toi, c'est bon. Ok, donc on a une boutique d'armes en face. On va aller voir ce que ça donne. Fais voir, est-ce que t'es... Ah non, t'es pas le même perso que... Ah mais non, c'est mon... C'est pas Asté, ça, c'est... Ouais, je sais pas, je suis en train de loader dans ta game. Ton collègue, c'est ton... Ton mignon là. Alors boutique, armes, voyons ce qu'on peut acheter. Est-ce qu'on pourra mettre des suppresseurs, des trucs du genre? Ou est-ce que... Non, au contraire, on ira niquer notre mère. Voilà, personnalisé, voilà. Donc c'est ça qu'on peut faire. Donc voilà, un viseur, sauf que ça coûte des dollars. Et on aura le suppresseur, bien évidemment. Donc, qui va coûter aussi des dollars. Alors, vous voyez, donc du coup, ce suppresseur, il existe en réalité, mais ce n'est pas un 556, bande de cons. Ça n'est pas faire des jeux, nom de Dieu. Renseignez-vous. T'es dans le truc? Ouais. Je peux pas rentrer? C'est VIP ici. Ok, pousse-toi la grosse. Allez, viens Monique, monte dans la voiture. Genre quel mignon, il y a un marqué à la porte, il derrière. Attends, comment je fais? Station suivante. Comment je fais pour couper la radio? Ouais. Merde. Putain. Chalut le copain. Attends. Non, mais parce que je vais me prendre des droits d'auteur en fait. Chalut le copain. C'est con parce que si le jeu a payé, tu sais, je veux dire. Techniquement, ça devrait pas être des droits d'auteur parce que t'as payé le jeu. Ouais, mais tu devrais avoir le droit, tu sais, payer les droits de la musique, comme ça. Non, mais sérieusement, ça me saoule. Ben là, je sais pas, regarde dans tes touches. Tes options. Attendez, où là? On est là. Alors, on va essayer de continuer un peu plus. Attends, vers là. Allez, en avant. Tu passeras le bonjour à ta mère. Je reste ailleurs, avec moi. Change de position. Ça se tire dessus. Identifiez vos cibles correctement. Ok, c'est avec nous. Tire sur les mecs en blanc. Avec moi. On est prisonnier! Putain, on est prisonnier! Je vais buter ce fils de pute de John Seed, ça va pas faire un pli. Vous avez vu ces cinglés piquer mon avion? Faut que je le retrouve!
C'est notre seule chance de nous tirer. Je m'en chargerai bien, mais ma femme est sur le point d'accoucher. Je sais pas vraiment quoi faire. Sérieusement, sans cet avion, on est juste foutus. Pitié. Ma famille a besoin de votre aide. Désolé. Faut que je maîtrise mes émotions. Je m'appelle Nick, au fait. Écoutez, je connais cet arrêt. Mon avion doit être au ranch de John Seed. C'est la seule autre piste assez longue pour lui dans le coin. Je sais, c'est beaucoup demandé, mais... j'ai pas le choix, partenaire. Ok. C'était mon pire cauchemar. Nouvel objectif, nous devons nous rendre au ranch de John Seed. T'as compris? Sinon je te tape. T'as compris? Connasse, toi. Où tu oses frapper ton maître? Bon. Alors, par contre, j'ai pas d'arc. Est-ce que tu sais si on peut... est-ce qu'on peut se ravitailler quelque part ou on peut prendre des armes, tu sais, qu'on aurait stocké quelque part, quoi, tu vois? Ah, viens. En voiture, Simon. C'est bon, on peut y aller. Elle était pas à moi de toute façon. Décale-toi. Merci d'avoir attendu. Ah, allumer, éteindre la radio, attends. Okay. Voilà, c'est bon. Agent extérieur, ça va? Ouais, t'inquiète. Attends, c'est que j'entends pas très bien. Il est où le Tesla? Ok, là. Il y a de la carneille. Ah, c'est bon. Devant nous, du gibier. Ça tire. Tout ce qu'il faut, c'est parti. Un fanatique, des fanatiques par ici. Ouf. Putain. Asté, attends. Sur la gauche, ça tire, viens, avec moi. Ok. Avec moi, restez. Ok, reste. Ça va? C'est toujours moi qui fais le boulot. T'inquiète, tout va bien, tout va bien. On dirait qu'ils ont pendu quelqu'un, viens voir. Viens voir, viens voir. Attends, j'ai looté parce que j'ai besoin de munitions et tout. Bah, en fait, le loot, c'est sur les mecs, hein. Ah mais d'accord, oui, mais c'est en fait, c'est j'aimerais bien récupérer mon arc en fait. Là regarde, qu'est-ce que tu en penses? Un des nôtres je crois. Tu vois pas où? Je crois qu'il a été torturé un peu. Bah si, il est là. Il lui a arraché les intestins, ouais. J'ai dit, il a été torturé un peu. Attends, bonjour. Après c'est bon John pour le Seed a posté une putain d'armée dans son ranch. Oh. Il va tous nous tuer, c'est moi qui vous le dis. Ou pire encore. Il faut faire quelque chose. C'est un peu de l'herbe là. C'est un outpost de la culte. Ok, on y a un hélicoptère ici. Exact. Mais bon, on va pas le prendre. On est à 200 mètres de l'autre. L'autre truc. Dégueu. Okay.
Assez, je suis en route. Je suis prêt. Faut libérer leur poste là que la secte. Affirme. On y va, chef. Ok. Déjà pilote un avion. Ok, reçu, tu restes derrière moi, c'est pigé. En fait, reste ici. S'il y a un problème, tu déchaînes le feu des enfers, compris? Mais je suis pas à l'avion, moi. Ah, mais je sais. Reste ici, okay. Pour l'instant, couvre-moi. Je désactive l'alarme. Bouge pas. Ok, y a quelques... je vois quelqu'un qui est en train de rentrer qui a été. Je vois des personnes à l'entrée. J'ai une alarme désactivée. À droite, il y a des gens. Reçu, couvre-moi bien, gamine. Ça va se passer, d'accord? De toute façon, il y a des gens à droite. Ça marche, gamine, t'inquiète. Ok, je te vois sur le toit. Fais attention, il y a déjà qui va faire ta position, mais en bas. Reçu. Merde, il est pas loin. Qui est-ce qui rentre dans le coin? J'ai vu tomber. Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. C'est peut-être l'autre qui a été vu. Le mignon. Ouais, c'est le mignon qui a été vu parce qu'il est down en plus. Essaye de l'aider. Je sais pas, ouais, mais ça va compliquer. Ouais, ça va être très compliqué. Je suis down. J'arrive. C'est l'autre mec qui a été mis. Je sais même pas où il est. Merci, chef. Debout, agent extérieur, on bouge. Ouais. Couvrez la route principale. Je m'occupe de l'avion. Agent Stalia, il y a un lance-roquette quelque part là. Oui. On cherche. Trouvez-moi ce fils de pute. Qu'est-ce que c'est l'avion? Il est sur le toit. Il est. Bien joué. On a libéré le ranch. Affirmatif, c'était dur, hein. Le ranch de graines. On peut pas garder le... l'avion? Là. Ouais, tout brûlé. Vive les États-Unis d'Amérique. Les quoi? Les États-Unis d'Amérique. J'ai compris les États-Unis. Très bien, avec moi, j'installe. On va aller voir ce... Ok, on peut... Tu peux engager quelqu'un d'autre ici. Attends. Tu peux acheter des trucs, je suis au magasin, genre. Attends, tranquille. C'est le choc. Comment on fait pour descendre? Tu fais E, puis tu descends? Non, marche pas. Sur l'échelle? Descendre, Z. Non. Comment je fais pour descendre? Je peux pas descendre. Mais je sais pas, t'es où, en fait? Je suis dans l'avion. Il est bagarre. Il y a une place derrière. Monte. Je pensais que tu voulais acheter des armes.
Ok, c'est la première fois que je conduis, hein. Y'a des parachutes? Non. Génial, officier! Je viens d'entendre les cinglés se plaindre qu'un intrus avait piqué mon avion. Faut vous éloigner un peu. Prenez la direction du nord. Ici Raptor Airline, au programme ce jour, petit vol. Putain, c'est inversé en fait. Z, c'est pour baisser. Et que tu vas le très bas et tout. J'avais tout compris. Restez droit. On se fait attaque. Il y a... On se fait repérer. Fais gaffe. Je vais vous demander de pencher l'aile à gauche. C'est elle qui m'inquiète un peu. Elle a son petit carré. Le problème, c'est que je peux pas me servir de mes armes. Reste tranquille, gamine. Ça va bien se passer. L'avion serait déjà parti en tonneau. Parfait, chef. Derrière de ta tête, voilà. Restez à basse altitude. Transbot. Oh, su. Prépare-toi, gamine. Transbot, vas-y. Putain, s'introduire dans le rush de John et ressortir en un seul morceau, c'était vachement impressionnant. Les cinglés. Oh, on est vraiment malade. T'as vu? Ça pour la première fois. C'est leur quotidien par ici. Ils se pointent à votre porte comme ils ont fait avec moi et ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ah merde, c'était un civil. Ah désolé. J'aurais même pas dû me laisser une seconde. On a toujours pu compter sur cet avion chez les rails. Ok, on y est presque, gamine. Je sais pas ce qu'on aurait fait si on avait perdu notre avion. Bon, je pilote bien. Ouais, faut pas perdre l'avion. Hein. Vas-y, chef. Vous approchez d'un embranchement dans la rivière. Virez à droite. Ouais, tout le monde n'a pas la carrure pour protéger son toit. Mais soit dit entre nous, je suis pas sûr de l'avoir. Je sais pas si vous avez des gamins, vous, mais franchement, l'idée que le mien puisse grandir sans son père, ça me fout les boules, putain. Et encore, le bébé est même pas là. Si je dois sacrifier mon toit en prenant la fuite pour protéger ma famille, moi ça me va. Vous n'êtes pas d'accord? N'empêche, ça me fait bien chier de devoir abandonner l'endroit où ma famille a trimé pendant plusieurs générations. On a gagné chaque mètre de ce terrain à la sueur de notre front. Et maintenant, je dois laisser un petit trou de balle et assez dégénéré. Quelle connerie! Je laisserai personne humilier les rails. Partenaire, on va leur montrer de quel point on souffle. Ok, Aster, on va passer sous le pont, prépare-toi. C'est que... Oulala, ça va être serré. Attention! Vous devez survoler un champ, ah. Mitrailler les cinglés qui s'y trouvent. Affirme! Ouais, il l'a dit. Tuez tout le monde. Explosez là. Explosez les citernes. Ah bah si t'avais fait ça. Hein. J'en ai un par contre. Faites un tour au réservoir d'irrigation ou dans ce genre d'endroit et abattez-les. Affirmatif. On prend l'altitude, Asté. Regardez-moi ça, un as de l'aviation. D'accord, chef. Encore des choses à détruire. Les cinglés se ravitaillent en carburant au nord de ma piste. Abattez-les avant qu'ils décollent. Pas de soucis. Ça va, t'emmerdes pas trop derrière. Ça va, je regarde le derrière de ton crâne. Thank you.
Attention, je les ai ratés. On se fait tirer dessus, Astley. On vire de bord. Et je crois qu'on a détecté un partenaire. Partner, collègue. Ah, j'espère qu'il est pas vers les avions. Putain, on s'en est pris une. Ça sauve, chef. Faut retourner, faire tout exploser, chef. J'essaie, gamine, mais c'est pas si évident. On se fait tirer dessus. Réplique, casse les répliques. On dit que le plus dur c'est d'atterrir. Mais je vais vous montrer comment faire. Alignez la piste droit devant vous. Tout en vous rapprochant. Ah non, il faut atterrir maintenant. Chut, chut, chut. Il est vers la gauche, je crois. Je sais, gamine, t'inquiète pas. Ouh. Oh mon dieu. C'était de la balle. Oh mon dieu, j'y crois pas. Putain de merde, bravo. Vous êtes top, merci. Kim, notre avion est revenu. On le tourne dans l'autre sens. Allez, on y va. Je dois dire, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression que la chance est vraiment de mon côté. Putain de taré. Kim, allez! Putain, dites-moi juste qu'ils ont rien bousillé. Vous savez, cet avion est dans la famille depuis 3 générations. Vous vous rendez compte? Kim, tu te dépêches? Oui, j'arrive! Ah, je vous jure, les femmes, des fois. Enfin, ah, je suis d'accord avec toi. Mon grand-père a dégoté cet engin juste après la guerre. Mignon, toi. Il était super fier. J'ai fait quelques modifications au fil du temps. Kim, tu veux bien te dépêcher? Ah oh merde, les fanatiques arrivent. Ok. Ces enfoirés, ils nous lâcheront pas. C'est merdier. Écoutez, je me défends dans les airs, mais vous, vous êtes encore meilleurs au sol. Je les prends d'en haut et vous d'en bas. Vous en dites quoi, partenaire? Moi, ça me botte. On y va. La baston. Sors pas d'ici jusqu'à mon retour. J'aime ça. Agent Astalien. Oui, chef. Préparez-vous au combat. Ne vous en faites pas, chef. Ça va aller, chef. On va voir que c'est la gueule. Ok, en avant. Vous avez fait chauffer les mitrailleuses. Mais moi, je vais... Astey, protège la famille. Je m'occupe de ces connards. Parfait. Je vous fais confiance, hein. Protégez. Tiens, chef. Vous êtes mort, bande de cinglés. Ouais, peut-être pas. Je vais trop poser de prendre la quad. Non, non, non. Comment va la famille? Je sais pas, je sais pas où ils sont. Ils étaient dans la maison, mais ils sont pas. Ils se barrent. Ils se cachent. Je m'en suis pris une. Besoin d'aide? Attention, fais attention, oui. Vite, Asté. Ouais, ça va être compliqué un peu. Ah, il m'a aidé, y'a l'autre qui m'a aidé. T'es meilleur que toi. Ah bah non, il m'a retiré dessus. C'est bon, je la vois. Quelle mauviette. Enculé. Dégage. T'as besoin d'aide ou? Ça va. Comment va la famille? Ça y'a dingue dans le... C'est bon, je l'ai assommé, je l'ai assommé. Je sais pas, elle est où?
Oh! Regardez-moi ce salopard! Ils sont morts! Des snipers sur toi, fais attention. Ah, reçu, reçu, reçu. Contact. Et toi, couvert, Asté. Et toi, couvert. Derrière là-bas. Oh merde, mon collègue est à terre. Anime-le. Ouais, c'est ce que je fais. Mon collègue est debout. Il a eu mal à la chatte. Ok. J'y vais, couvre-moi. Une commandante qui arrive par la piste. N'approchez pas, je vais leur lâcher une bombe sur la tronche. Voiture avec tourelle montée, tourelle montée, tourelle montée. Ils veulent leur lancer une bombe. S'approcher qu'il nous dit, sinon je pense qu'on va exploser avec la bombe. Voiture, où ça? Il a lâché la bombe. T'es down? Négatif. C'est pas toi qui est down? C'est un ennemi. Il l'est plus, il est mort. On l'a eu. Bien joué, Jean Stav. Allez, Kim, on s'en va. T'es pas facile, ça. Non? Non. Allez. On est chez nous ici. Non mais Kim, t'as pas l'air de comprendre. Quoi? Je comprends pas quoi. Qu'ils viennent voler nos terres et qu'ils enlèvent nos amis et font encore d'autres horreurs, c'est ça? Kim. Je pense qu'il va rester, ça va être notre appui aérien lui. Nick, ton grand-père a tout construit ici. Tu veux vraiment tirer un trait sur tout ça? T'arrêtes pas de dire que t'espères que notre fille reprendra ton affaire. J'ai parlé de transmettre mon affaire à un fils. Tu as vu exactement. C'est une fille. Oh là là. C'était sur un vieil écran noir et blanc. C'est pas comme si on y voyait quelque chose. Nick. Non mais voilà, 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 voilà. Elle a fait la chose qu'il fallait pas. Ah là là, toi. Et c'est une fille parce que les ventes quand t'as un garçon c'est pas comme ça. Je t'aime. Ah bon? Ouais, les garçons sont plus hauts, les ventes sont plus ronds. Ah ouais? Les filles, c'est plus bon, donc. C'est vrai? Bon, officier. Je crois que les rails ont décidé de vous aider. Hé, écoutez. S'il vous faut un soutien aérien, surtout faites-moi signe. Tous les deux, on sera comme Bonnie and Clyde. Mais qui meurt tous les deux à la fin. Non. Prenez bien soin de lui. Inch'Allah. Tiens, on a réussi, bien joué. Oui, chef. Pourquoi on prend pas le quad? Officier, c'est Marimé à Folzen. Voilà. Je voulais juste vous dire que vous faisiez un sacré boulot. J'arrive, je te mets un gros coup de pompe. Bam. Compris? Je te casse la gueule avec mon bat de baseball. La gueule, t'es qu'une tapette. Oh, je n'ai même plus ma bat de baseball. Peut-être même des élus. Les soldats d'élite de la secte. Ils sont dangereux, officier. Et surtout, restez bien sur vos gardes. Arrête! Y'a pas beaucoup de balles okay. En plus! Bien reçu, on a une mission, par ici! Salut, officier!
4. Monte. C'est tout ce que tu fais pour nous. C'est tout de ma gueule, ou... Oui. T'es plein de simples. Attention. La famille Rai était installée ici avant même la fondation de la ville. J'ai partagé des nuits de beuverie mémorables avec le père de Nick au Spread Eagle. Nick, c'est un bon gars. Veille bien sûr. Au bas. D'accord. C'est un symbole d'espoir pour tout le comté. Il y a un truc devant. Un camion de prisonniers. D'accord. On va se le faire. Fais gaffe à l'arrière, c'est là où sont les prisonniers. C'est bon. Attention, restez. Ok, attends. On y va. C'est vraiment pas passé loin. Salut mon pote, ça va? Hélicoptère, restez à couvert. Putain de merde. Asté, flingue ce putain d'hélico. Y'a des mecs à l'arrière. Aïe, ça va me faire fumer. C'est bon, j'ai eu le pilote. J'ai eu le pilote au petit flingue. Si. Soldat à l'extérieur, ça va? Oui. Ok. Rendez-vous au véhicule, vite! Parfait, j'arrive. Véhicule. C'est bon, le civil a été. Le civil a été sauvé, c'est bon. Ok, en avant. Agent extérieur, on monte. Ouais, je suis là. Bien joué. C'était chouette, hein. T'es content parce que t'as flingué le micro, en tout cas. C'était malade. Voici comment on fait, Gabine. Attends, mais on a pas une roue crevée par hasard? Je crois que ouais. Attends, ici, ici, ici. C'est un gentil. C'est un gentil. Il a failli se faire lyncher par lui. Ils allaient me buter. Merci mille fois. Tout ce que la secte nous vole termine dans un de ces bunkers. Ok, reçu. Il y a un vieux vétéran qui habite par là-bas. Il a dû bien marcher. Oh là, du calme. Camion. Feu. C'est bon, on se calme, on se calme. On peut viser le camion? Je sais pas. T'es en train de dire que tout ce qu'ils nous prennent, ils gardent ça dans des caches secrètes. Donc du coup, on peut avoir de la munition et tout, non? Attends. Ok, Astérien. Oui. On va s'approcher de l'objectif, d'accord? Tu resteras en arrière avec avec le monsieur, là. Avec Pablo. Compris? D'accord, viens Pedro. Pedro, c'est notre, mignon, c'est... Non, c'est Irox, le mignon. Mais il est pas mignon, mais... On dirait une ferme. Ok, reste ici. Ben non, poste. Ok. Oui, chef. J'y vais, couvre-moi. Oh, y'a un ours. Ah non, c'est un taureau. Attends, comment on fait pour lancer? Clic molette. La grenade, tu veux dire? On attaque! Je suis down. Viens me sauver, Rox! C'est pas une merde. Ok, on a un gros blindé là. Ouais. Oh putain, il m'a niqué. T'as résistant le bonhomme, hein.
va, chef. Merci, ma couille. Pas de soucis. Oh merde, je suis con moi. T'as fait exploser le truc, t'étais à côté. Oh oh, je vais crever. Ah, voilà. J'arrive. Fais gaffe, y'a un pick-up armé. Putain, t'es où? Pedro s'est fait fumer. Ouais, je sais. Aïe. Ah bah bravo! Ah bah bravo là! Bravo! Bravo! Il y avait un mec à côté de toi. Ok, non mais j'ai compris comment lancer les couteaux, donc maintenant ça ira mieux. Nous pourrons être plus silencieux. Oui, et aussi, tu sais, si tu fais exploser quelque chose, il loin de toi peut-être? À l'intérieur, fermez votre gueule. Chef! Vous êtes qu'une recrue ici. Chef! Oui. Ok. Enfin, merci d'avoir attendu. Et toi, couvert. On refait comme tout à l'heure, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu restes en position ici, t'as pigé? Je crois que j'ai une caméra, je sais pas. Oh, gamine. Non, j'ai la caméra, je crois. Démerde-toi, c'est pas mon problème. Non, mais je pense qu'elle peut attaquer tout seul en fait. Mettre des waypoints et tout. Ah, c'est des jumelles. Astrid, j'ai besoin d'aide. J'arrive, ouais. Camion. Je m'occupe du véhicule. Parfait. Est-ce qu'on peut se servir de la tourelle? Affirme, affirme. C'est toi. Ah ouais. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Paye sur Z. Pourquoi? Ta touche à gauche de X. Parce que c'est des jumelles. Ah. Je sais pas si tu le savais que tu les avais. Oh maman. Oh elle est vivante. Maman. Oh. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Hey, j'ai un petit truc à vous dire là. Je suis pour qu'on parte avec les véhicules qui est là avec la grosse tourelle dessus. Je te calme, Géraldine. Est-ce qu'il faut les acheter avec des vrais sous? Ouais, faut les acheter avec des vrais sous, je crois. Je me suis acheté un viseur pour l'arme. Il me faut 1700$, il me faut 1700$ pour les suppresseurs. Compris? Espèce de grosse mammouth. Ouais, d'accord. Merci, gros mode. Camion. Tais-toi. Commence pas à m'énerver, hein. Je vais te crever après. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire ça, c'est tout. T'es méchant un peu, toi. Oh, 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 oh. Quoi? D'accord. Quand on s'appelle Bob l'éponge, on se tait. Merci. Toi, t'es. Ok, j'ai mon arc. Je sais ce qui pousse à agir. Agent Steyer. Ouais. On y va. Plus que tu le crois. D'accord. Je m'installe au gros truc en arrière. À la tourelle. Ah ouais, mais attends. Okay, ouais. Quoi? Non, parce qu'on a plusieurs objectifs là. Éviter les armes. Ouais, ta gueule. Oh merde alors. On dirait que tu viens de pisser dans la
Ils vont envoyer tous ces hommes à tes trousses. Fais gaffe à toi. Terminé. On a été marqué. Mais pourquoi tu suivais pas les flèches? Parce qu'on a pas besoin. Les gars, face-les. Oui. Camion? Ah non, négatif. C'est pas notre objectif, on a d'autres trucs d'abord. Ok. Ok, suis-moi. Je suis avec mon arc, d'accord. On va essayer d'être le plus silencieux possible. Puis j'ai. Parfait, chef. Ok, bien. Faut lui filer de la grâce. C'est l'heure de chasser les poulets. J'y vais. Qui va là? Pas quelqu'un qui est rentré dans le tunnel? Je sais pas. C'est sérieux, non? Salut, salut, ouais, c'est moi. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Oui. Je peux? Ouais, vas-y, vas-y. Vous allez bien? Tranquille, et toi? On est en train de libérer la secte. Ah, mais ils bougent les trucs! Bah oui, c'est comme des camions, je pense. Oh merde! Mais il est pas loin, là, il est à. Bon, mais il est à 100 mètres, même pas. Oh, mais il bouge! C'est un camion, c'est un convoi. C'est un convoi, chef. Non, on n'est pas sur, sur Escape aussi. Oh putain! On est sur Far Cry. Sur quoi, du coup? Far Cry 5. Far Cry 5. Là. Ouais, non, les soirs, nous, c'est un peu plus. Enfin, vers minuit, quoi. Parce qu'on a fait du Escape toute la journée. Oh! Je pense que Casper et tout, en haut, ouais, ils jouent. S'ils sont toujours là. On peut aller voir. Ça marche! Amusez-vous bien! Vas-y, merci, oh, merde! J'ai été descendu, chef. Mais c'est quoi ça, détruisait le groupe de camions? Mais je veux pas détruire. On était sur détruire des trucs et puis là c'est des groupes de camions. Putain, ça me saoule. D'accord, chef. Oh, t'as eu Terranium là, toi hein. Merci, Pedro. La gueule, c'est moi. Merci, toi. Ouais, il nous faut un véhicule. Amène-toi. On en avait un qui était génial avec une tourelle dessus. Tais-toi, c'est trop facile avec les tourelles. Oh putain! Oh putain! Ils ont lancé quoi? Ah, c'était un coup de main! Ah. Putain, tu bah, fous quoi? Pas. Bah, je suis occupé à être morte là! Attends, t'as l'allié qui est supposé arriver peut-être. Irox, dépêche-toi! Bah, l'allié c'est Irox, on est dans le verre. Irox! Il est là l'allié ou il est là? Ah, il est là. Ok, il est là, gars. Ah, il m'a sauvé moi en premier, t'as vu? Tue le mec. C'est ça, quel mec? Celui qui m'a tué. Dang. Ok, viens dans la voiture. C'était pour ma famille. Putain, ils ont tué tout plein de civils, Asté. Ouais, ouais. En avant. Oui. Attends, ouais, non, les droits d'auteur, j'avais oublié. T'es en train de faire le con derrière ma cam, là. Mais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, et le véhicule, ce qu'on disait tout seul. Ok, prépare-toi. Oui. Vise les gunners en priorité. Oh putain! Attends, je dois rentrer. Asté, prépare-toi, on est dans la merde. Sors! Ouais, je sais. Je suis sonné. What, c'est quoi ce délire? Je suis. Je vois que du blanc. J'ai pas compris. Ouais, moi aussi. Je suis dans une église. On est mort? Je sais pas. J'ai peur, Asté. Je sais pas. Chef. Ah. Ils nous ont capturé, je crois.
Je suis en train de me faire capturer voir des babus, chef. Chef. Ouais, deux secondes. Hein. C'est pas à nous d'en juger. Il faut qu'on l'amène jusqu'à l'eau. La purification commence ce soir. Ils vont nous noyer, chef. Silence. Je peux nager ? La porte de l'Éden. Non, pas celle-là. Celle-là n'est pas pure. Ah bah génial. Non, je sais. Tu dois les aimer, John. Ne laisse pas ton péché t'aveugler. Amène-moi celui-là. En dépit de tous tes péchés, le salut reste à ta portée. Tu n'es pas là par hasard, ni par chance. Tu es là par la volonté de Dieu. C'est lui qui t'offre ce don. La suite dépend entièrement de toi. Tu peux accepter ce cadeau. Ou tu peux le rejeter. Celui-ci va réussir son expiation. Ou la porte de l'Éden te sera fermée, John. Oui, Joseph. Ok, j'ai vu l'œil des animaux, je l'avoue. Je t'y aiderai. Nous verrons si tu es digne. On a été attrapé, c'était bien joué, putain. Faute, chef. C'est pas ma faute, chef. Putain. Ah, c'était bien. Quoi ? C'est pas possible, hein. Qu'est-ce qu'il y a, chef ? T'es nul. Je sais, je m'excuse. Je sais, je sais. Bon. Désolé, chef. Ouais, je t'excuse pour cette fois, ça se compasse pas, d'accord ? Non, parce que j'ai baillé. Ouais, non, mais je t'excuse pour cette fois que ça se repose pas. Ok, capitaine. Je suis un prophète bon, mais quand même, faut pas exagérer. Est-ce que ça peut être moi le capitaine maintenant ? Non. Est-ce que je peux être le chef ? Non. Est-ce que je peux être la capi-chef ? Non. Pourquoi ? Est-ce que t'es une femme ? Et alors ? Les femmes, ça ne dirige pas. Les femmes, c'est dans la cuisine. T'as de la chance là, je t'ai sorti de ta cuisine un peu. Oh putain, restez, t'es là. Je suis en face de toi. Si on se confesse, si on se confesse sans attendre, tout ira bien, non ? Non, on confesse rien. Ce sera pire. Ah non, c'est pas toi en face de moi. Parce qu'une confession sans douleur n'a aucune valeur. Ah ! Oh non, ils vont nous torturer, chef. Puis tu le portes à fleur de peau avant que John Seed te lâche. C'est vraiment magnifique. Oh non, c'est dégueulasse. Putain de taré. Aïe ! Alléluia, mes frères. Ah,
Nina leur fera grâce. Ah, putain. C'est plaisir de te voir, Pasi. T'éloigne pas. On n'a quand même pas fait ça pour te perdre maintenant. À l'attaque. Les résistants attaquent. Les résistants attaquent avec nous, Asté. On attaque. Affirme. J'arrive pas à bouger. Mais... Je suis bugué. À quelle heure je peux bouger? Je vais crever. Non, chef. Je le permets pas. Viens voir, j'ai un plan. Ça va, chef? Ça va. Je sais qu'il y avait un problème quand on n'a pas réussi à te joindre. Je suis content que le Seigneur m'ait orienté dans la bonne direction. Inch'Allah. On t'a retrouvé, mais d'autres gens ont encore besoin de notre aide. La secte emmène le reste des prisonniers un peu plus loin. Ils ont merle avec eux, le temps presse. Prends ce que tu peux et va les sauver. Affirme. Je vais appeler des hommes à nous. On aura besoin d'eux. C'est une question de vie ou de mort. Allez, agent extérieur. C'est lui qui délivre. Oui, chef. Va falloir la jouer en finesse. D'accord, pas de soucis. Attends, parlez au poste à Jérôme. Comme je disais donc. Jérôme. Ah, parce que j'ai pas fait ça. Je vais appeler des hommes à nous. On aura besoin d'eux si on veut réussir. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. On doit le sauver. Ok. On peut pas les... Protégez-moi. Bon plan. Ok, attends, je vais me prendre un fusil d'assaut. Tant pis pour l'arc. Allez, agent extérieur, faut foncer. On a Romain, Carman, Irox, tu vois, qui sont là. Faut bouger, Asté, allez, allez, allez. Mets-toi sous le pont. Tu me suis? Petit peu de mal. Ça fait deux fois que je tombe en feu. Mets-toi à couvert, vite. Vite. Oui. Oh putain, bah j'étais sous... Ah, génial. Bah, c'est pas de ma faute, on était sous le pont, hein. Génial, le couvert. Cours. D'accord, chef. Ok, moi je me suis pris tous les trucs de feu. Et l'allié passe par-dessus moi, ça. Eh, mais non, mais j'allais me faire tuer. Ok. Mind-toi! Mind-toi, cours! Cours, grosse vache! Tu utilises la tyrolienne! Oh! Bon, bah, j'ai même pas le temps de me lever. J'ai utilisé la tyrolienne. À tous, le gros mammouth est ta terre. Je répète, le gros mammouth est ta terre. Comment on dit mammouth en anglais? Mammouth. Mammouth.
Mais on n'a pas d'antenne, on n'a pas Irox et tout. Irox, c'est une merde. Tu pourrais venir nous sauver, mais non. Non, mais fais abandonner. De toute façon. Bon, Asté, il va falloir que tu restes d'accord avec moi. Va falloir réagir rapidement. Tu dois savoir ce que c'est que réagir rapidement. Ouais, mais c'est le cerveau, je commence à fatiguer. Ah non, mais y a pas, tu commences à fatiguer parce que si tu fatigues, moi je te tue. D'accord. Quand il ouvrit la troisième sous. Ah, mais j'ai pas eu le temps de dire, voilà, à cause de toi. Allez, go. Ah putain, attends. Vas-y, cours. Passe à droite, la grosse. Attention, le feu, ça brûle. Allez, avance. Ok. Elle m'a pas suivi, le mammouth. Oh, tu fais quoi? Laisse tomber. Viens, ok, viens. Amène-toi vite. Ok, planque-toi. Reste avec moi, mets-toi contre moi. Ok, c'est bon, go. La tyrolienne, Asté. T'as compris le principe d'une tyrolienne ou... Impeccable. Ok, Asté, on se replie vite. Ah non, on se replie pas, on tient. Asté, utilise le mortier. Ok, en position, sortez les armes. Asté, feu. Ok, je tiens le pont. Asté, ça passe en dessous aussi. Qu'est-ce qui se... Oh putain. Allez, Asté. Comment on soigne déjà? Ah oui. Eh merde. Asté, pourquoi tu parles plus? Je vais me faire descendre, je me suis pris deux coups de batte de baseball dans le cul. T'as aimé? Bah, sur la gueule en fait. Et non. T'étais bien? Non. Non, c'était pas bien? Allez Asté, on se concentre, on fait ce passage et puis après on termine. D'accord, chef. Ah bah on est rendu en haut là. Ok, attends. J'utilise le mortier, t'inquiète pas. Vas-y. Ils viennent vers la gauche en fait. Vers le pont et vers la gauche. Je vais tenir le pont. C'est bon, j'envoie du mortier. Tu l'as envoyé où, vers le pont? Ouais. Ok. Ça leur fera pas de... Tiens derrière moi. Vers la gauche là. Tire derrière toi. Y'a rien derrière toi. Ok, à droite, putain merde. Tiens, c'est la merde, Asté. Oui, chef, 1:12. Ok. Y'en a un qui vient du bas. Qui est monté. C'est
point neutral. Oh putain! Ça arrive encore par le pont. 4 secondes, 3 secondes. On l'a pas si juste. Je suis pas là, ok. Y'en a un qui est juste derrière nous, chef! Ça va, je l'ai eu. Ok, on se bat, allez, allez! Ouais. Vas-y, grimpe dans l'écho! Dépêche-toi! Ah non, c'est un des nôtres, merde, je l'ai écouté. T'es un peu con, toi, hein? Désolé, Irox. En plus, il a pas besoin. T'es dans l'hélico, chef? Non, vas-y, monte! Je suis déjà là. Merde. Vas-y! Fais attention, ça nous tire encore dessus. Faudrait pas qu'il puisse descendre le chauffeur. Je vais tirer dessus, c'est bon, il a une arme. Je pense que si je tire dans le chauffeur, c'est parce quoi? Je sais pas, mais moi j'ai goûté Irox. Ouais, mais il va te servir à quoi ton batte de baseball si les gens nous attaquent d'en bas? Tu te rendras pas assez loin? Tu les testes plus comme des cons. T'as dit tes conneries. Ok, fais-le. Quoi? C'est allié. Oui. Oh, ça a bugué. Merde, désolé les mecs, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. T'as tapé qui? Les monsieur. Bon. En plus, moi je suis bugué. Oh mon dieu, crash. Je me recours ou t'arrêtes? Chef? J'arrête. Ouais, d'accord. J'ai eu la crash. T'es un bande de cons. Oh, moi je suis mort. Bon, alors du coup, faut pas taper des bottes parce qu'ils aiment pas ça et du coup, ils te foutent sur la gueule après. Mais tu leur tapes sans raison dessus. Mais j'ai pas fait exprès. Bon, bah le live, on va se quitter sur ce du coup. Merci d'avoir regardé comme d'habitude. Et puis, on se retrouve pour la suite très très vite. Allez, ciao, bye, à tout à l'heure. Non, à demain.